Si nous prenons le secteur des travaux publics, 860 km de route et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art ont été construits ou réhabilités. Je mentionnerai entre autres la mise en service du pont sur la Cross River entre le Cameroun et le Nigeria, ainsi que l'achèvement du bitumage du tronçon routier entre Sangmélima et Brazzaville, favorisant ainsi l'ouverture de notre pays vers les marchés des États voisins. Le bitumage de la section de route Lena-Tibati-Ngat sur la nationale 15, avec pour avantage l'augmentation des liaisons par voie terrestre entre le nord et le sud du pays. La construction de l'autoroute Kribi-Lolabé et de la route Ganzambi-Kribi, qui donne une impulsion à la compétitivité du port autonome de Kribi. La construction de la route Bertoua-Batouri, dont les travaux vont se prolonger jusqu'à Yokadouma et au-delà. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de route, dont le bitumage de l'axe Ebolva à Combe de Kribi. J'ai instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour la reprise des travaux de construction des tronçons routiers Mora, Dabanga, Kousseri, Babajou, Bamenda, Ekumba et Kondotiti. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation des voiries urbaines et à l'amélioration du trafic entre nos principales métropoles. Le lancement des travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et l'accélération des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé figureront au rang des priorités du gouvernement. Il en est de même de la réhabilitation et de la modernisation des aéroports de Tiko, Bertoua et Kribi, qui permettront de desservir toutes les régions de notre pays par voie aérienne.